Quel bonheur pour les fabricants non officiels lorsque Toys ne complète pas les personnages d'une licence, pour eux c'est du pain béni. C'est là-dessus que surfe la marque Toys Battalion qui est généralement une sous-marque de Toysera en sortant les personnages et eh bien justement oubliés ou boudés par Hot Toys. Ici, il s'agit de Wong, un des personnages pourtant principal de l'intrigue du Docteur Strange, c'est quand même le sorcier suprême. Enfin si mais non, je ne spoil pas, soit c'est quand même un des sorciers principaux de l'univers, et c'est vrai que Bizarre Kotos qu ne s'y soit jamais intéressé. Visuel de la boîte, on retrouve justement, eh bien, L'intérieur de la maison de Doctor Strange avec son superbe vitrail, l'ombre de Wang qui se trouve juste là devant, Toys Battalion, des inscriptions magiques, un petit peu comme ce qu'on retrouve sur les cercles, justement, d'effets magiques du Doctor Strange et ben, de Wang aussi, forcément, puisqu'il maîtrise la même technique. Sur le côté, les effets de magie aussi, sur l'arrière, TB006, Sorcireur suprême, donc bon, je n'avais pas dit de conneries. L'alignement des planètes dans un cercle et puis ben, les warnings habituels dans différents langages. On revient sur la même chose, Toys Battalion dessus et en dessous, pareil. Contenu. L'intérieur de la boîte, on tombe sur une boîte vitrine. Il y a deux étages. Premier étage, six mains, deux en plus sur la figurine. Il est très massif, très costaud et ça a l'air d'être superbement bien fait. La petite partie qu'on met autour des doigts pour ouvrir le portail. Sur le deuxième étage, on retrouve socle, effet magique, épée et la petite tige. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires avec la figurine de Wong, on commence par le socle, le socle classique que l'on connaît chez Toys Battalion, Toys Era, le vitrail de l'intérieur de la maison du Docteur Strange, tige, base, malheureusement pas de petites plaques ici devant. Des mains très bien texturées, les mains sublimes même, assez grandes, bien badass, bonne texture, l'ouverture va servir à l'accessoire qui est juste ici. Donc cette main là va se mettre à l'intérieur, à l'intérieur de la main justement, on retrouve toutes les lignes. Cette main aussi pour les effets magiques. On retrouve celle-ci pour pouvoir tenir les épées, accompagnées de l'autre à l'opposé, et puis aussi, et puis des mains relaxées de la sorte et sur la figurine de points fermés. On retrouve le petit anneau magique à venir mettre autour des doigts pour les ouvertures de portail. Et ensuite, les accessoires ici. Un bouclier effet magique de la sorte, donc en orange jaune à l'intérieur. On viendra y glisser cette main dont je vous parlais tout à l'heure. Il va vraiment servir avec les doigts à l'intérieur de la sorte. C'est très bien réalisé, plexi transparent. On a l'effet avec toutes les inscriptions magiques du Docteur Strange et du Sorcier Suprême par-dessus. Belle réalisation de la part de Toys Battalion. On retrouve ensuite eh bien, également les deux épées magiques créées et fabriquées par les effets. Et là, elles sont transparentes, orange. On aura les deux mains également pour pouvoir les tenir. La transparence est plutôt cool et l'effet magique y est tout autant. On passe sur la figurine accessoire de très bonne qualité. Qu'en est-il de la figurine Le prototype était plutôt joliment fait et c'est ce qui a fait plaisir à mon poteau Anthony et son fils Nathan qui se sont dit eh bien écoute Samuel, on fait tous les Marvel, il est impossible que je passe en dehors de cette figurine. Prends-moi une et fais-en la vidéo. Donc un énorme merci à Nathan et à Anthony comme d'habitude de me permettre de faire toutes les vidéos Marvel, toutes les vidéos d'essai, et parfois même quelques petites variantes. La figurine, regardez-moi le costume en espèce de suédine, c'est magnifique, magnifique. Hein. Le, le costume est complètement fou. Le travail dessus, c'est exceptionnel, exceptionnel. La tenue asiatique, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, franchement, chez Toast Battalion, c'est la première fois que je vois un soin apporté de la sorte sur un costume. C'est digne des plus grands. Hein. Toutes les broderies partout également sur euh, les parties euh, du costume violet. Les brassards sont pas en reste. On a un superbe brassard. Pareil ici, les mains. Vous avez vu qu'elles étaient texturées à la perfection. En dessous, petit pantalon noir. Ok, petite chaussure noire aussi. Waouh, digne de ce que pourrait faire Hot Toys. Là, Toys Battalion, chapeau à vous, hein. Je vous m'avais bluffé. Le visage, parce que c'est beau le costume, mais si le visage est raté, où allons-nous Oh, ben oui, non, mais c'est lui tout craché. C'est le visage de Wang sans problème. C'est beau. Waouh, le visage, il est exceptionnel. Les parties au niveau de l'arcade. De l'œil bien géré, au niveau de la pommette, de la joue aussi, la bouche, le, la barbe, les cheveux, ben c'est one tout craché. Franchement, elle ne, joue, elle ne rougira pas du tout à côté d'un Docteur Strange, je peux vous le dire. On va dans le box, on se fait une ou deux pauses, mais là, ils m'ont mis une grosse claque. C'est parti! Première pause sur Wong et d'après les visuels du proto, il faut replier la partie de devant afin de faire apparaître cette partie jaune sur le devant du costume. Je lui ai mis la main dans le dos, l'autre par devant avec et eh bien justement le petit médaillon qui permet d'ouvrir les portails. Petite pause supplémentaire, pause avec l'attaque et le bouclier magique Petite pause avec épée dans la main et les deux doigts magiques également. Et dernière pause avec les deux épées. On a fait le tour des accessoires et des différentes poses. On peut passer à la conclusion. Conclusion, les amis, sur cette figurine de Wang. Eh bien, Toys Battalion nous réalise une petite merveille. Tout est exceptionnel sur cette figurine. Les accessoires, le tayloring la qualité des vêtements, tout. Tout, les effets magiques, le visage n'est pas en reste, on reconnaît l'acteur 100%, morphologie, corpulence, exceptionnel. Franchement, si vous êtes fan de l'univers de Doctor Strange et des films de la Marvel, forcément de Doctor Strange, c'est le compagnon idéal à votre figurine Hot Toys. Vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude, moi, moi je vous ai donné mon avis et pour moi cette figurine est exceptionnelle. Vous ne partagez peut-être pas le même ou peut-être que vous partagez le même avis que moi. Dites-moi tout ça. Dans les commentaires, la figurine si vous la recherchez comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous trouverez les endroits le plus sûrs et le plus rapide pour pouvoir vous la procurer. Qu'est-ce que vous avez aimé dessus Les vêtements, la tête, les armes Vous me parlez de tout ça juste là en dessous. Vous, vous savez combien Votre avis m'intéresse et également votre façon de voir les produits à travers mes vidéos. Il va être temps de vous dire, comme d'habitude, que si vous avez aimé cette vidéo ou le produit, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait et toutes les notifications. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans même vous abonner et vous savez au combien les abonnements. C'est hyper important pour les Youtubers. Donc abonnez-vous, faites-moi exploser ce compteur d'abonnés. Faites-moi arriver très prochainement aux 70 000, ça ferait plaisir. 70 000, une grosse partie du travail est déjà fait. On approcherait les 100 000. Ça ferait plaisir quand même d'avoir le petit cas du YouTube, hein. je ne vais pas vous mentir. Voilà les amis, eh Bien écoutez, sinon si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et aider mon travail, eh bien c'est le bouton rejoindre, petit abonnement à partir de 1,99€. Actuellement, il y a plus de 80 vidéos à voir avant tout le monde. Je précise toujours que ce sont des vidéos en avant-première, mais que dans ces vidéos, tous les jours à 19h30, je pioche une vidéo afin de vous la délivrer en public. Voilà les amis, merci à tous d'avoir partagé ce temps avec moi car le but premier c'est de vous divertir donc j'espère que cette mission réussit. Allez les amis, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous verrez cette vidéo. C'est tout pour Wong, c'est tout pour moi. Encore merci à Anto et à Nathan pour le prêt de la figurine et on se retrouve tous tous les soirs 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous